Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Beautiful Box que j'ai reçue ce matin. On va plutôt dire la Truth Box, car maintenant, en fait, ce mois-ci, voilà comment j'ai reçu ma petite box avec tous les produits. Donc je vais regardez avec vous ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, en fait, vous avez... j'ai un peu lu, j'avoue, le petit machin. Et ils disent en fait qu'il y a des stickers pour customiser la petite trousse. Voilà, pour avoir sa trousse perso. Je trouve ça sympa, ouais. Ça fait un peu enfantin. Alors, bien sûr, donc il y a le petit dépliant. Et sur ce petit dépliant, en fait, c'est style sportif, quoi, en fait. Allez, on y va. Alors, nous avons en premier, alors je vais vous décrire tout ça, le Glove. C'est un gant démaquillant Glove on the go. À la base, il coûte 13,90€. Après, on fera peut-être les totaux pour savoir combien ça fait. Ou alors, vous le ferez chez vous. Car moi, les mathématiques, c'est pas mon fort. Donc, l'allié parfait dans son packaging biodégradable pour se démaquiller uniquement avec l'eau. Alors, ça, c'est un peu comme les lingettes qu'on trouve... les espèces de trucs là, qu'on trouve un peu partout. Et ça là par contre il faut la laver direct au savon, voilà, c'est marqué humidifier le glow avec de l'eau, presser le glove, c'est glove, sur votre peau, puis retirer doucement votre maquillage par des mouvements circulaires, nettoyer le glove magnette cleanser ou avec le, ah d'accord, nettoyer avec le glove magnette cleanser. Alors, ça, je ne sais pas où on le trouve. Ou avec un savon. Laissez sécher votre glove et recommencez. Voilà, donc, je vous disais, elle coûte 13,90€. Après, nous avons la crème réconfortante de chez Cadalys. Voilà. Alors, crème réconfortante Hydramuse qui vaut 22€. Elle est 100% d'ingrédients naturels pour restaurer les niveaux d'hydratation et de nutrition de la peau grâce aux vertus bienfaisantes de la banane jaune. Alors c'est vraiment étonnant, hein, la banane jaune, franchement. En fait, il y a marqué dessus smoothie, quoi. Enfin, moi qui en bois beaucoup, c'est un truc de fou. Enfin, alors il faut l'appliquer matin ou soir, ou le matin ou le soir, c'est comme vous le voulez. Et sur le visage et le cou. Et elle coûte, je le redis, 22€. Voilà. Nous avons ensuite le Real Chemist Try. Voilà comment c'est. De chez... je ne sais pas. C'est un peeling lumineux, 3 minutes. La valeur est de 7,50€. Un peeling chimique puissant pour un éclat remarquable sur tout le corps. En fait, c'est pour le corps. Donc, les bras, les épaules, le coude, les mains, maillot exfolié. Cuisse adoucie et lissée, mollet lumineux, pieds et chevilles adoucies et lissées. Il y a tout un descriptif. Ils disent utilisation sur une peau encore humide, étaler une fine couche du peeling lumineux 3 minutes
pour le corps sur la partie que vous souhaitez traiter. Commencez à masser par des mouvements circulaires pour exfolier. Après 15 à 20 secondes, des morceaux solides devraient se former sous vos doigts. Cela signifie que le peeling fonctionne correctement. Continuez de masser pendant 2 à 3 minutes ou jusqu'à ce que vous ayez éliminé toute votre peau morte. Nettoyez votre peau à nouveau après utilisation. Par contre, je n'ai pas la marque en fait. Je pense que c'est Real Chemistry. Je pense que c'est ça. Et donc du coup, je vous ai dit donc 7,50€. Ensuite, le dernier produit qu'il y a dans cette petite trousse, c'est un Hair Mask Scalp Traitement. Voilà, de chez Mud Masky, qui vaut 24€ quand même. Alors, le secret pour des cheveux fortifiés grâce à sa formule 3 en 1 pour réparer la fibre capillaire et hydrater le cuir chevelu. Donc, en fait, c'est un masque, mais en fait, on se lave avec les cheveux. Alors, je vais vous lire ce qu'il faut faire. Alors, idéal pour toutes les textures de cheveux, en particulier les cheveux secs et abîmés, les cheveux traités chimiquement ou naturels, les cheveux très durs, racines et pointes, les cheveux très crépus, très frisés, hydrate et renforce les cheveux tout en nourrissant des racines aux pointes, contre les pellicules, pour les cuirs chevelus secs et prugineux, fabriqués à Amsterdam. Alors j'avais lu, l'application, il faut l'appliquer. Alors appliquer le shampoing sur cheveux mouillés, masser délicatement le cuir chevelu, c'est ce qu'il faut faire. Et après, il faut laisser agir une minute et après rincer soigneusement. Suffisamment doux pour être utilisé quotidiennement. Donc en fait, il fait effet shampoing et, excusez-moi, et masque. Voilà, je sais pas, je l'ai pas encore ouvert, donc je vous dirai pas l'odeur. Et bien sûr, il y a un petit machin, mais j'ai plein de choses à vous présenter. Du coup, des choses surprises parce que j'ai craqué encore aujourd'hui. Enfin bon, voilà. Et après, ils nous mettent ici. Surprise, pour vous accompagner au quotidien, retrouvez ce mois-ci tous vos produits dans une trousse transparente, personnalisable à votre image grâce au sticker exclusif inclus, qui vaut, alors, la trousse, elle vaut 15€. Donc, au total, le gant 13,90€. Le peeling pour le corps 7,50€. La crème réconfortante 22€. Le masque hair mask shampoing 24€ et la petite trousse 15€. Voilà, faites vos petits calculs chez vous. Je vous laisse le faire, je suis pas douée. Donc voici. Alors, j'ai un gros problème d'achat en ce moment. J'arrête pas d'acheter. Aujourd'hui, je suis allée à Sephora et à Marionneau, car en fait, comme vous le savez, les enfants n'ont plus école à cause du coronavirus. Donc du coup, voilà, on a été le chercher à l'école et j'ai dit on peut pas aller à Sephora parce que c'est le bazar. Son père, je suis plus avec son papa. Son papa travaille. Enfin bon, c'est compliqué. En fait, il va la voir ce week-end. Je vais la voir le lundi jusqu'au mercredi. Enfin, c'est le bazar. Ça m'a saoulée. Donc, je voulais aller à Sephora voir les petites nouveautés et voir surtout s'il y avait les Huda Beauty pastels. Et elles n'y sont pas. Enfin, si, elles y sont, elle m'a dit, elles sont arrivées, mais on les a pas mises encore dans le magasin. Mais moi, je lui ai dit, tant pis, je les ai. Et comme vous pouvez constater, je suis maquillée avec
la lila pastel lila de chez Huda Beauty. Alors très bien, franchement rien à dire, sauf les 40 euros de douane. Enfin bref, sur ce, j'étais donc à Sephora et Sephora a sorti des palettes magnifiques. Donc des petites palettes, des grandes palettes. Donc là j'ai une palette dans mes mains qui s'appelle High Story Palette Caffeine Please, qui est comme ceci. Il y a 6 fards. Elle s'ouvre comme ça, voilà. C'est aimanté. Et voilà comment elle se... Voilà. Alors moi je sais pas, j'ai craqué parce qu'il y avait celui-là là vous voyez qui brille, qu'on peut mettre à l'intérieur des yeux. En fait ils sont tous bien So Late, donc les marques c'est So Late, Olay, Hazelmut, pardon, Mocha, Buzzed et Expresso. Alors, il réveille vos regards à cette palette aux nuances chaudes et profondes, inspirée de l'univers du café. Appliquez la teinte. Donc, ils disent comment appliquer les teintes, en fait. Donc, voilà. Moi, je la trouve belle. J'adore Buzzed aussi. Regardez. Je vais faire un swatch. Ça, c'est Buzzed. Et ça, c'est la toute première. Hop, c'est super joli, franchement. Voilà, j'ai craqué pour celle-là. Le prix. Alors, attendez, je retrouve mon ticket de caisse parce que je ne vais pas vous dire des bêtises. Je crois qu'elles sont à 9,99 ou... Ice Café, 9,99, c'est ça, exactement. Voilà pour la première. Donc, je vais la replacer correctement parce que j'aime pas. Voilà. Alors, ils ont celle-là qui s'appelait Flash Sequins. Donc, il y a 6 fards aussi. Il y en a plusieurs, des comme ça. Moi, j'en ai pris 2. Donc pareil, ça s'ouvre, voilà, c'est magnétisé, et voilà, regardez, il y a de très très belles couleurs, il y a donc le glow ici, ah, j'ai perdu le petit papier, le glow ici, le gleam, regardez-moi celui-là, alors celui-là, le luster, on va faire un swatch. Le luster, je crois qu'il, enfin voilà, il m'a tapé dans l'œil et voilà comment. En fait, il fait plus marron. Je trouve que quand on, ouais, c'est un marron hologramme encore. Voilà. Et il y a un noir bien noir, bien noir, bien noir, bien noir. Et glitz, là, le glitz, je kiffe aussi. Alors, le glitz, voilà comment il est. On peut faire vraiment de belles choses avec cette toute petite palette qui vaut aussi 9,99€ chez Sephora. Je remettrai le petit papier après. Je suis toujours là. Et là, il y a la deuxième palette qui est pareille, mais plus claire. Donc, Flash Sequin aussi, Sequins aussi, avec 6 fards. Excusez-moi pour l'ouvrir, c'est galère avec mes ongles. Avec 6 fards qui sont aussi très sympas parce qu'il y a beaucoup de paillettes, un peu magnétiques, je sais pas comment dire. Regardez-moi ça, c'est magnifique, le rouge, la shine. Alors shine, on va le swatcher, petit shine. Voilà, c'est un cuivré au burn. Il y a le
Twiskle. Oh là là, mon accent est pourri. Voilà. Et le Dazzle. Alors celui-là, c'est un noir pailleté. Hein. Mais enfin, un gris noir. Et il est beau. Et le Fall aussi, tiens. Je vais... Et après, c'est du mat. Je suis pas trop mat, en fait. Donc, du coup, voilà. Voilà. Et franchement, elles sont pour le prix... excusez-moi, mais pour le prix, le packaging, tout ça, franchement, je trouve ça super top, quoi. Franchement. Après, j'ai acheté deux autres palettes chez... de Sephora aussi. Je crois qu'ils valent 19,99. Je regarderai tout à l'heure. Alors, cette palette s'appelle Feline Instinct. Regardez comme elle est. Elle est belle, hein? C'est Gold Edition. Voilà. Et quand on l'ouvre... Toujours le petit papier. Alors, il y a le pinceau. Et là, il y a une mousse. Oh mince, j'ai fait tomber le pinceau. Alors, attendez, parce que... Je vous fais voir les couleurs. Je trouve qu'elles sont très très belles et qu'on peut faire de belles choses encore avec. Après, la petite mousse là, vous me direz... Enfin, je sais pas si c'est pour essuyer son petit pinceau quand on a fini de mettre le fard. Dites-moi à quoi ça sert, s'il vous plaît, en message, en commentaire, où vous voulez. Donc là, il n'y a pas de nom. Sublimer votre sensualité, palette de maquillage, il n'y a pas de nom sur les couleurs. On peut swatcher quelques couleurs, c'est-à-dire ce petit doré là, doré pailleté. Voilà. Doré, c'est un gris, je suis bête moi. Après moi j'aime bien tout ça là, toutes ces couleurs comme ça, j'adore franchement. Là il y a un beau bordeaux mat par contre, mais il est très 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 beau. Et après vous avez d'autres couleurs, enfin voilà. Donc 19,99 me semble-t-il, j'ai dit que j'allais chercher, je vais chercher. Alors, Sephora. Le truc, c'est que je la trouve pas là. Qu'est-ce que ça m'a fait, hein? Je sais pas. Ouais, mais c'est sûrement 19,99 parce que les trois palettes, 9,99. 1, 2, 3. Et il y en a une autre. Alors, celle-là, oui, la Vivid Heart, que je vais vous présenter aussi, qui est aussi de chez Sephora. Alors, celle-là, elle est magnifique aussi. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choix. Il n'y a pas de miroir, par contre. Alors, ça peut déranger certains, comme ça peut ne pas déranger. Voilà. Ici, vous avez une base yeux Eye Primer. Voilà. Donc, vous pouvez mettre ça avant. Et après, les couleurs, vous avez du nude, du... Voilà, vous avez des paillettes, vous avez un peu de tout. Donc, voilà ce que j'aime, moi. Voilà, vous le savez. Maintenant, ce nude-là, et sympa aussi. Il y a Ebony qui est, voilà, gris bleu. Alors Extract, la seule, celle-là, elle est trop belle. Extract, waouh, regardez, c'est joli. Voilà. Écoutez, pour les palettes Sephora, voilà ce que j'ai acheté à Sephora. C'est déjà... Ah si, j'ai acheté aussi un lipstick, en fait. J'aurais dû l'ouvrir avant de faire la vidéo. Je vais me dépêcher. Voilà. Oh, je suis trop forte. C'est les nouveaux lipsticks de chez Sephora, en fait. Et ils sont trop beaux. Moi, j'ai adoré cette couleur-là.
C'est la numéro 7. Alors, bon, attendez, parce que comme j'ai du maquillage, voilà. Donc, je vais faire un swatch pour vous faire voir. Voilà. C'est pas très, comment dire, c'est pas, enfin voilà, c'est pour juste dessiner les lèvres, ils sont bof, enfin voilà, mais c'est pas, je veux dire, ça se voit, c'est pas voyant quoi, hein. Si vous voulez des trucs pas voyants, vous pouvez aller chez Sephora et acheter ces nouveaux lipsticks qui sont au prix de 9,99€ et ils sont écolo, tout en carton, etc, etc. Voilà, donc les deux grosses palettes, c'est 19,99€ et les trois petites sont à 9,99€. Alors, après, je suis descendue donc, du centre et j'ai été à Mariono. Et là, j'ai vu que la marque de chez Mariono Green, en fait, on avait deux produits achetés, un gratuit. Donc, moi, j'ai pris, personnellement. Après, j'ai été conseillée parce que je voulais prendre le baume. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est qu'un baume pour le visage? Moi, je connais les baumes pour les lèvres, mais pour le visage, c'est gras, c'est, enfin, je sais pas. Donc, elle m'a expliqué que oui, c'était pour nourrir la peau, pour ceux qui avaient la peau sèche. Le truc, c'est que moi, j'ai déjà la peau grasse, donc ça va pas le faire. Sur ce, j'ai changé de produit. Donc, j'ai pris en premier un baume lèvres Coconing huile de coco. Je pense que ça va me... Je vais aimer parce que j'adore les baumes à lèvres. J'en ai un au miel, il est magnifique, que j'ai acheté chez AliExpress. Oh, il sent bon. Oh, il est gras et c'est ce qu'il faut parce que moi j'ai les lèvres qui... Enfin, dès que je mets des lipsticks mat, c'est l'horreur. Donc, top. Franchement, top. Après, les prix... c'est pas très très cher. Le baume à lèvres est à 5,99€. Donc, chez Mariono. C'est la marque de Mariono, la marque Green. Ensuite, j'ai pris la crème hydratante visage à la baie de goji. Voilà, j'ai beaucoup de crème hydratante. Je sais pas pourquoi j'en prends d'autres, mais j'ai peur d'en manquer. Donc, cette crème légère et non grasse assure une hydratation continue et laisse la peau douce et confortable. Appliquez matin et ou soir sur votre peau. Propre. Vous savez comment marche la crème hydratante quand même. Donc, c'est une 50 ml. Voilà. Et le prix, 19,99€. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas très, très cher, je trouve. C'est pas très, très excessif. Ah, on peut la sentir, c'est cool. Elle sent bon. Pas trop fort. Et il n'y a pas d'opercule, rien du tout. Mais comme j'ai pris une crème hydratante à l'aloe vera de chez Hello Body, que je vous avais présentée quand j'étais à l'hôpital, du coup, celle-là, elle attendra. Et la vendeuse m'a conseillé de prendre le trio exfoliant corps huile de pavot. Voilà, elle m'a dit, vous exfoliez quelquefois votre corps. Je dis, ben, je mets la crème, vous savez, la crème à douche de chez Nivea. Elle me dit, ah oui, mais des fois, il faut exfolier le corps, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, comme il y avait trois produits, un gratuit, bon, là, il y a voilà. J'ai pris ça. En fait, elle m'a dit que c'était... oui, c'est de l'huile de pavot, mais elle m'a parlé de miel... Subtil mélange de cristaux sucrés salés de graines de pavot qui favorise l'élimination des cellules mortes et aide à affiner le grain de peau. Ces notes florales poudrées signent la peau nature dans votre salle de bain.
Appliquez le produit sur une peau humide en insistant sur les zones rugueuses, coudes, genoux, pieds, ce qu'elle m'avait dit. Puis rincez une à deux fois par semaine. Alors, si vous avez cette gamme, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'avais acheté la crème pour les mains. Et franchement, je l'avais tellement aimé. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Mariono. Et je l'avais tellement aimé que je l'avais racheté. Elle ne coûtait pas cher non plus, car elle coûtait 4,99€. Et bien, écoutez, voilà pour Mariono. Ensuite, j'ai reçu... qu'est-ce que j'ai acheté? Attendez, j'ai un gros bug de ce que j'ai acheté avec cette... Eh ouais! Je sais pas si je voulais montrer. Je voulais montrer ou pas. Le concealer Jeffree Star, je crois qu'il avait dit qu'il était trop magnifique et tout. Je sais plus. Donc voilà, j'avais commandé chez Beauty Bay la Mini Breaker de Jeffree Star. Je vais peut-être me radoter un petit peu, mais je me souviens plus. À mon avis, je vous l'ai déjà fait voir. Elle est magnifique. Enfin bon, je l'ai pas swatché et tout, elle est toute neuve. Ah, mais je crois que j'en ai parlé, donc... Oh, mais excusez-moi, mais en fait, avec ma maladie, vous savez... non seulement je perds un peu la boule alors que je vais avoir 34 ans et de deux je perds tout ce qui est motricité etc donc faut pas faire gaffe des fois si j'ai du mal à parler, si j'ai du mal à m'exprimer, si je réfléchis longtemps, c'est voilà. Après m'en veuillez pas. Alors oui, sur Vinted J'ai acheté à une dame deux palettes. Et franchement, cette dame, elle est top. Alors, la Revolution, Makeup Revolution London, la Shox. Déjà, packaging, je kiffe. Et ensuite, elle est... alors, moi, je prends pas, en fait, les palettes qui sont swatchées à mort. Je les prends pas. Celle-là, elle n'est pas swatchée, elle est neuve. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je prends de suite. Et regardez toutes ces couleurs. Celle-là, là. Là, c'est moi qui la swatch. Waouh. Franchement, je kiffe. Ça, c'est un... Il est pailleté, un petit peu un bordeaux pailleté. Je ne sais pas si on voit bien qu'il est pailleté. Là, oui. Enfin voilà. Et en plus de ça, elle m'a fait un lot. Donc, en plus de ça, j'ai eu la Morphe X Jeffree Star. Alors, vous savez à quel point je suis amoureuse de Jeffree Star. Je l'aime trop, ce mec et ce qu'il fait. D'ailleurs, je suis dégoûtée de ne pas avoir sa dernière palette. Voilà comment elle se présente. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, écoutez, je ne connaissais pas. Et en fait, là, voilà. Et regardez cette beauté. Les couleurs qu'il y a, il y a de tout, franchement. Du orange, du rose, du violet, du bordeaux, du vert, vert herbe, enfin voilà quoi, enfin regardez-moi ça, ça c'est tout en paillettes. Comment elle s'appelle? Million, ça m'étonne pas. En fait c'est que des paillettes. Là vous pouvez, c'est de la paillette pure en fait. Parce que j'ai les doigts pleins de... d'autres trucs de paillettes, mais en fait regardez. Paillettes. Alors celui-là, il faut que je l'essaie. Hein. On a vu sur le doigt. Oh, vous avez vu? Franchement, elle est magnifique, cette palette. Et je suis trop contente, celle-là aussi. Là. Custom Rams. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez ça. Oh là là, vous allez pas voir. Si, ça y est, vous allez voir. Elle fait un peu gris, dis donc, sur... Mais... Oh, elle est un peu grise. Hein. Oh, ouais. Bon ben voilà, écoutez, hein. Voilà ce que j'ai reçu de cette dame très gentille.
bien emballé, tout ça, et j'étais super, super contente. Comme je vous dis, Jeffree Star. Et en fait, Vinted, j'y allais. Enfin, ça fait un moment que ça existe, en fait. Hein, et moi, j'ai dit, ouais, non, laisse tomber, c'est bon. Je vais pas aller sur Vinted, stop. Et en fait, je kiffe Vinted parce que je trouve de bons trucs. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je suis bien tombée. Sauf une fois où je suis tombée sur une nana qui m'a vendu une palette Huda néon verte. Et elle a été swatchée quand même. On voyait bien bien les doigts, hein, mais bien swatchée. Donc j'ai pas trop aimé, mais bon. Et puis elle m'a envoyé le colis super tard. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser. Parce que vous allez commencer à vous ennuyer avec moi. Je vais ranger tout mon bazar. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et en commentaire si vous voulez discuter. Je vous répondrai. Allez, ciao ciao, à la prochaine !